Chant, allégresse, joie et ambiance bon enfant, c'est du moins le climat qui a régné hier lors du lancement officiel de la campagne électorale du candidat Messi Ambroise au poste de président du conseil d'administration de la Sonacam au quartier Kondengi à Yaoundé. Venu massivement des 10 régions du Cameroun, réunis autour de leur candidat, Messi Ambroise a enfin présenté son plan d'action qui, d'après lui et son équipe de campagne, sortira définitivement le droit d'auteur du marasme. Moi, quand je vois Petit Joseph, quand je vois le grand frère roi d'étranger, je suis ses musiques partout dans les plateformes, mais il ne sait pas. Or, lorsque nous avons un logiciel qui scanne tous les sites internet, tu sauras exactement où le cerveau est joué, mais il ne sait pas qu'il est joué des milliers de fois. Et cet argent est perdu. Saluons au passage la multitude de candidatures, symbole fort de la démocratie au même poste, le candidat Messi Ambroise dit mettre son expérience au service du droit d'auteur. Moi, en tant qu'ancien, pour avoir été régulièrement là-bas, je connais un peu comment ça se passait pour être bloqué. Et je vais débloquer parce que je connais j'ai la clé de débloquer toute cette mafia. Avant-gardiste, Messi Ambroise a déjà entamé des négociations avec les grands usagers pour l'élargissement de l'assiette de perception. Je vous ai dit par exemple qu'on était déjà en négociation avec Orange et MTN qui avaient décidé chacun de donner 500 millions par an et que ça devait prendre une autre route par rapport au droit d'auteur. C'est un syndicat qui devait percevoir cet argent afin de reverser. C'est pour ça qu'on avait bloqué. Je vais débloquer parce que je connais par où appuyer. En attendant l'Assemblée générale élective de la Sonacam prévue le 12 décembre prochain, Messi Ambroise, comme le Messi, affirme être là en ce moment pour sauver les artistes de la précarité.